Coucou Dro, comment ça va? Ça va bien. Bon, tu viens d'arriver sur Paris là, tu viens de Marseille? Bah ouais. Il y a du soleil à Marseille en ce moment, non? Bah un peu, hein. c'est un peu comme ici là. Ouais. On se retrouve au petit bain pour parler de Mars Attack, parce que ce soir il y a la soirée Mars Attack en capitale, je me suis pas trompé au niveau du nom. C'est bien ça. Et il y a Mars Attack aussi très prochainement en juin. Oui. C'est quoi, 23 et 24 juin, donc ça c'est la première grande nouveauté, ouais, c'est ça? Ouais, changement de date cette année. Donc, on était juste au mois de septembre jusqu'à présent, fin septembre, depuis des années. Et cette année, il y a donc changement de lieu, mais aussi changement de date. Donc 23-24 juin, Parc Chano à Marseille. Et pourquoi ces nouvelles dates? Parce que c'est le planning des tourneurs, le planning des artistes? Un tas de choses à la fois. On s'est dit qu'on allait profiter de ce déménagement de lieu pour aussi revoir le projet dans sa globalité, éventuellement, effectivement, pour des questions de programmation, mais aussi parce qu'on n'avait jamais tenté cette période de l'année-là. Le festival a été un peu mouvant, c'est tout début, on est allé sur plusieurs dates. Ça a commencé au mois de février, c'est passé par le mois d'août à un moment donné, on a fini au mois de septembre, et on n'avait jamais envisager cette période pré-estivale là, et on s'est dit qu'on allait rentrer un peu dans le circuit des festivals plus estivaux, ouais. Et qu'il y avait un atout à jouer aussi sur Marseille, la destination Marseille et cette proximité de la mer, du soleil, etc. Toi, tu disais qu'il y avait pas mal d'éditions, parce que là, c'est quoi? C'est la 18e édition, si j'ai bien compris. 19e celle-ci. Ouais, 19e. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que ta Mars Attack est là depuis le départ? Là depuis la première édition. Première édition, et t'es marseillais toi directement? Oui. Alors j'aimerais bien comprendre cette évolution artistique, parce que donc du coup t'es quand même le directeur artistique. À la base le festival c'était vraiment une vocation de parler du hip-hop marseillais, c'est ça? Disons que la première édition a été basée sur une programmation très très marseillaise, avec des artistes tels que Carré Rouge, Fontenex, Le Troisième Oeil, Family aussi, et la ouais. Funky Family qui était là dès le départ, qui était là depuis la première année. Et donc il y avait cette scène, cette vivacité, cet âge d'or du rap marseillais, pour reprendre une expression à la mode, mais il n'y avait pas d'événement qui réunisse cette énergie là au même moment, au même endroit. Donc un peu naïvement on avait monté une association, on voulait faire des concerts, et on s'est rapproché de cette scène marseillaise en leur proposant d'accepter de venir jouer sur cette première édition, ce que tout le monde a fait de manière très sympathique et amicale. Et le succès de la première édition a été tel qu'on est parti sur une seconde qui a ensuite enclenché sur des volumes beaucoup plus importants, etc. Et du coup vous étiez un peu obligé aussi d'ouvrir à un hip-hop plus international, à d'autres musiques. Comment s'est fait le virage? Alors dès la deuxième édition, on est passé à une vision plus nationale de cette représentation hip-hop, de ces esthétiques hip-hop. Donc on avait For My People et plein d'autres gens qui étaient Cool Chain, etc., qui étaient invités dès la deuxième édition sur le festival. Et puis on avait ouvert une petite salle, une troisième salle un peu complémentaire, qui était autour des musiques électroniques, house, techno, etc. Et c'était la première tentative, ou l'un des premiers événements qui mélangeait ces esthétiques électroniques et hip-hop. Et dès la deuxième édition, donc on était dans cette dimension-là, et on a continué ensuite à développer cette vision des choses assez élargie. Pour nous, c'était tous ces courants-là étaient un petit peu liés au même processus créatif et à la même au même effet générationnel, etc. Et finalement, l'histoire nous a donné raison, puisqu'aujourd'hui, les artistes eux-mêmes sont dans cette dimension de mélange et de... Voilà, les chapelles sont beaucoup moins tranchées que ce qu'elles l'étaient à l'époque. Et on est parti là-dedans, et je pense que ça nous a plutôt réussi, parce que ça donnait une programmation qui était assez originale dans le spectre des festivals français de l'époque et encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Revenons à la Funky Family, parce que c'est quand même l'événement. Là, ils reviennent pour un concert exclusif cette année. Ça a été difficile de les réunir sur scène là? Comment ça s'est passé? Très long. Très long, très relativement compliqué. Ça fait 2 ans qu'on y travaille de manière assez acharnée, on va dire. Qu'est-ce qui fait que cette année ça a fonctionné? Je ne sais pas, peut-être mon pouvoir de conviction. Ton acharnement, tu les as tellement saoulés qu'ils ont fait bon maintenant tu nous lâches. Peut-être il y a un peu de ça. Et puis je sais pas, la confiance que nous fait le groupe,
je sais pas, on a su les rassurer, les mettre dans de bonnes conditions. Voilà, en tout cas, la rencontre s'est faite de nouveau avec la Funky Family. On en est très, très, très heureux. C'est une manière pour nous de leur et de leur rendre hommage et aussi de voilà de mettre en avant tout un tas d'artistes locaux qui ont beaucoup compté pour nous. Ouais. Bon, il y a la Funky Family, mais il y a aussi Die Antwoord, il y a aussi House of Pain, il y a aussi De La Soul, il y a Vlad aussi, côté électro, on va dire, il y a Nicolas Jarre. Il y a Nicolas Jarre, il y a Michael Meyer, il y a Young Fathers, il y a Tommy Cash, il y avait plein d'artistes, il y en a une quinzaine par soir à peu près, dans une vision un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire mélangée avec des scènes qui seront plutôt à tendance hip-hop, d'autres qui seront plus électro, d'autres qui seront plus mélangées, un club qui sera un soir plutôt hip-hop et le second plutôt électro. Voilà, on essaye de faire en sorte que d'organiser des plateaux qui soient cohérents. Mais tous les plateaux n'ont pas la même coloration chaque fois. En tout cas, les noms sont assez gros encore une fois cette année. Quand tu te replaces au tout début de cette aventure, tu t'es quoi ? T'es surpris ? Tu trouves que c'est normal parce que le festival a grandi et c'est logique qu'on arrive à ces noms-là ? Comment tu te situes ? Il y a du stress peut-être ? Je sais pas. Bon, y a un peu de stress évidemment, mais comme ça, comme chaque année, dès la première année, on était déjà stressé. Donc ça change pas trop. Positivement stressé, on va dire, en fait, plutôt stressé du résultat que ça va pouvoir donner, de l'ambiance générale, etc. Et puis on essaye de bien faire les choses, de parler des petits détails, de trouver des solutions à tout. Donc ouais, tout ça nous fait un peu stresser. Le volume du festival aujourd'hui est beaucoup plus important que ce qu'il n'était à l'époque. Là, on attend 30 000 personnes sur le festival cette année, un peu plus peut-être. On avait commencé. Dès la première année, on était sur un volume à 1200-1300 personnes par jour, c'est-à-dire 2500 personnes, on va dire, sur la première édition. Et on a déjà eu des scores relativement importants à 30-35 000 personnes sur les éditions précédentes. Mais là, c'est quand même un gap de franchi avec deux très très grosses soirées. Et effectivement, c'est assez flatteur pour nous de voir tous ces gros noms, ces artistes qu'on apprécie et qui nous font confiance, venir ou revenir chez nous pour certains. Et c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est de se dire que justement il y a ces gros noms qui viennent à Marseille pour le public marseillais ? C'est ça le plus important, c'est d'apporter une culture. Marseille, on le connaît pour le football, pas forcément pour la culture malgré Marseille 2013. C'est quoi ? Il y a une mauvaise relation entre la culture et Marseille ? Parce que c'est pas un festival, il n'y a pas de festival qu'on connaît comme en France, en métropole, de manière plus générale ou dans le monde. Il n'y a que Mars Attack, j'ai l'impression. C'est une vérité ou c'est une erreur de ma part de dire ça ? C'est une vérité, il n'y a que Mars Attack. Il n'y a que Mars Attack, ouais, mais... Je ne sais pas, il y a d'autres festivals, évidemment, sur la ville de Marseille. Ils n'ont pas la même aura que Mars Attack. Ils n'ont peut-être pas la même aura. Certains, comme le Mimi, par exemple, qui a plus de 32 ans, je crois, qui se passe sur les îles du Frioul, et est un festival très vertueux, avec une programmation très... très pointu, mais effectivement les volumes sont pas les mêmes, donc du coup peut-être la notoriété du festival est pas la même non plus, mais il y a des belles choses qui se font sur la ville. Maintenant effectivement peut-être que pendant très longtemps il n'y a pas eu cette vision de la culture prise comme un élément très très positif. Aujourd'hui je crois que c'est un peu plus le cas, notamment après Marseille 2013, ces questions-là sont venues s'exposer au grand jour et on en est très content puisque effectivement on attendait qu'il y ait un déblocage de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est le cas, mais ça va prendre encore quelques années pour que ça se stabilise, je pense. Si le hip-hop et le rap est ancré à Mars Attack, c'est parce que toi-même, tu es fan absolu de cette musique-là, ou c'est parce que c'est une évidence que cette musique-là doit être représentée à Marseille, parce que on ne connaît pas forcément de groupe de rock ou de groupe de samba marseillais. C'est vraiment le hip-hop qui est à Marseille, j'ai l'impression. Bon, déjà, c'est un peu faux de dire que Marseille n'a que des groupes de hip-hop, parce qu'il y a beaucoup de groupes de rock, d'électro, etc. qui fonctionnent bien aujourd'hui. Hier déjà, mais aujourd'hui aussi, si on parle que des Kid Francescoli, French 79, Nasser, plein d'autres groupes locaux qui sont de franche notoriété aujourd'hui. Effectivement, il y a une coloration rap très forte, mais elle correspond plus à une époque un peu plus une génération, ancienne, ouais. Ou une génération plus ancienne qui est peut-être un peu plus la mienne.
Vu mes cheveux blancs, vous voyez bien. Mais oui, j'étais grand fan de hip-hop dès les origines. Et c'est un peu pour ça qu'on est allé vers cette zone de programmation-là. Et après, on n'est pas que fan de hip-hop, on est aussi fan d'autres musiques. Et on évoquait tout à l'heure Deus sur le festival ou d'autres groupes de rock. Il y a eu aussi il y a eu The Rapture sur le festival. Il y a eu plein de groupes différents. On a été qualifié de festival hip-hop, puis de festival électro, puis de festival certaines années un peu plus rock, etc. On essaye de pas trop se coller d'étiquettes désormais. C'est quand même Mars Attack, c'est le festival sans étiquette. Comme ça que tu qualifierais ? Sans étiquette, avec une ligne de programmation qui est quand même assez cohérente et qui reste pas non plus un festival un peu fourre-tout avec que des têtes d'affiche et une programmation un petit peu lambda, mais plutôt dans une vision un peu fine de ces programmations et dans des aventures proposées et des plateaux qui aient une cohérence globale, etc. On travaille plutôt dans cet esprit-là, avec découverte d'un côté, talents locaux, tête d'affiche, inédit, vieille gloire, enfin tout ça un peu mélangé pour faire un programme qui soit assez équilibré. Équilibré, ouais. Alors justement sur le site, moi j'ai vu que vous annoncez la couleur. Notre été apparemment sera rouge avec Mars Attack. Oui, pourquoi cette couleur ? Je sais pas, c'est notre logo et notre couleur depuis le début. Qu'est-ce qu'elle représente ? Je sais pas, une forme de... Pour moi, enfin, peut-être pas pour certains autres de l'équipe, j'en sais rien. Moi, pour moi, ça représente un truc un peu rageur, un peu... le sang, la vie, quelque chose d'un peu explosif, d'énergique. C'est ce qu'on retrouve dans le nom aussi, Mars Attack, il vient d'où ce nom ? C'était l'époque du film Mars Attack, et puis c'était l'époque aussi des espèces de jeux de mots dans le milieu du hip-hop avec des K, des double T et des machins trucs. Nous, on a évité les double T et les K, mais on est resté dans cette... dans ce registre de jeux de mots un peu bizarroïdes. Puis surtout, il y avait toute une époque où il y a eu des planètes Mars, dans le milieu du rap, c'était assez commun à cette époque-là, Marseille, la planète Mars, la planète rouge, etc. Donc voilà, on est dans ce registre-là. Bon, en tout cas, il nous reste à voir et à vivre le festival en juin, et puis les années précédentes, et les années suivantes aussi. Et voilà. Parce que c'est parce qu'on habite à Paris, qu'on va faire que les festivals parisiens cet été, on va un peu bouger. Mais venez donc. On va venir à Marseille. Enfin, merci pour ce verre et à Marseille alors. À bientôt. En juin. Ciao. À la autre.